Bonjour tout le monde, aujourd'hui on fait une nouvelle vidéo. Alors le grand jour est arrivé, voilà, ça y est, celui dont je vous parlais depuis déjà plusieurs fois. C'est le jour du concours, donc j'espère que vous êtes nombreux devant votre écran en train de regarder cette vidéo pour pouvoir participer. Donc c'est un concours Diamond Painting, bien sûr. Alors aujourd'hui c'est un concours spécial, vous allez voir pourquoi. Alors tout d'abord, je voudrais remercier notre boutique partenaire, voilà, qui a très gentiment accepté de sponsoriser ce concours. C'est la boutique Kefan, voilà. Je vous en avais pas parlé avant, hein, parce que je voulais garder la surprise, et la deuxième surprise va arriver après. Je vous explique. Lorsque j'ai demandé, parce que bon, vous savez que je suis déjà partenaire avec la boutique Kefan pour des partenariats, et je leur avais posé la question si ça les intéressait de participer à un concours sur ma chaîne, et la personne m'a, j'ai oublié son prénom, je suis désolée, m'a tout de suite répondu oui. Et donc, je lui avais dit que j'avais besoin d'un kit. Et elle m'a gentiment d'elle-même proposé au lieu de faire gagner un kit, elle a préféré faire gagner trois kits. Voilà. Donc, elle voulait qu'il y ait trois gagnants dans le concours. Voilà la surprise. Donc, pour ce concours, il va y avoir trois gagnants. Voilà, du coup, vous avez trois chances de plus de gagner cette fois-ci. Alors, je remercie énormément la boutique Kefan qui s'est proposée donc de m'envoyer trois kits, des kits que j'ai choisis moi-même, bien sûr. Donc, j'espère qu'ils vous plairont. Bon, jusqu'à maintenant, je ne me suis jamais trop trompée dans le choix de mes kits pour vous faire gagner dans les concours. Et vous avez toujours aimé ce que je choisissais. Donc, j'espère que cette fois-ci, je ne me suis pas encore trompée. Donc, voilà. Cette fois-ci, il y aura trois gagnantes ou gagnants. Puisqu'il y a des messieurs qui me regardent aussi sur ma chaîne. Voilà. Donc, je vais vous faire, je vais vous montrer les kits qui sont à gagner. Alors, j'ai vérifié entièrement les kits, hein, c'est-à-dire au niveau des perles. Donc, il n'y a pas de problème. J'avais eu deux petits soucis, je vais vous le dire tout de suite, parce que vous verrez quand vous déballerez les kits que vous recevrez si vous êtes le ou la gagnante. J'avais marqué... Il me manquait un sachet de... Un petit sachet pour une couleur pour un kit. Donc, et il y avait une erreur de couleur pour un deuxième kit. Pour une seule couleur, il manquait, du coup, il manquait deux sachets. Il y avait une inversion de couleur. J'avais envoyé un email à la boutique Kefan. Et deux jours après, j'ai reçu tout de suite les perles manquantes. Donc, ils ont été très, très réactifs pour corriger ce petit problème. Voilà. Donc, pour ces deux kits, vous verrez qu'il y aura dans le kit de perles un petit sachet différent, un petit sachet zippé. Donc, c'est le sachet que Kefan m'aura envoyé pour cette petite erreur. Donc, il n'y a pas de souci. Pardon. Donc, je les remercie aussi pour la rapidité, pour m'avoir renvoyé les perles qui manquaient ou l'erreur qu'il y avait dans le deuxième kit. Voilà. Donc, vos kits sont vérifiés. J'ai tout coché. Voilà. Et vous n'aurez aucun problème dessus. Voilà. Une erreur, ça arrive. Hein, un oubli, ça arrive. Donc, voilà. Mais bon, j'ai fait tout de suite le nécessaire pour que ce soit corrigé. Et donc, vous n'aurez pas de problème à votre niveau quand vous recevrez le kit chez vous. Voilà, voilà, voilà. Mais bon, je voulais que ce soit dit pour me montrer la réactivité au moins de la boutique Kefan.
que je remercie encore une fois. Maintenant, je vais vous montrer les kits. Alors, comme j'ai dit, il y aura 3 kits à gagner. Alors, je vais commencer par le lot numéro 3. Voilà, par le... Je vous montrerai en dernier le lot numéro 1. Alors, le lot numéro 3. Donc, dans ce lot, justement, il y aura donc 2 petits sachets zippés. C'est le lot, justement, où il y avait une erreur de couleur. Voilà, donc vous vous inquiétez pas. Ce sera la bonne couleur. Hein. C'était juste... Donc, comme je viens de dire, c'était une erreur de référence. Donc, Kefon m'a envoyé la bonne référence tout de suite. Voilà, donc vous vous inquiétez pas de voir 2 petits sachets zippés à la place des sachets chapelés dans le kit. C'est tout à fait normal. Alors, je vais vous montrer. Alors, le lot numéro 3, donc ce sera le kit le plus petit. Il y a 3 tailles de kit. Le plus petit, mais c'est pas un mini non plus. Hein. Donc, dans ce kit, vous allez déjà trouver le petit kit, comme d'habitude. Donc, le petit stylet. Dedans, il y a je l'ouvre pas parce que bon, bah, je voudrais pas que ça se décolle. Il y a le petit embout pour faire 10 perles. Hein. Donc, je sais pas si vous le voyez bien, mais bon, là, non, on le voit pas très bien. Il y a le petit carré de glu, la petite pince. Bon, celle-là, elle n'est pas terrible, hein, mais bon. Et le petit plateau blanc. Voilà. Et il y a des petits sachets pour mettre les perles qui vous restera du kit. Alors, ici, c'est un kit qui fait la taille, alors, 30 sur 45. Donc, bon, c'est déjà quand même un beau kit. C'est pas un petit. Donc, ce sont des perles carrées. Je vais vous les montrer après. Hein. Je ne vais pas montrer toutes les perles en détail, mais... Donc, je vous montre d'abord que... Alors, j'ai vérifié aussi les toiles. Hein. Aucune toile n'a de rivière, aucune toile n'est abîmée. J'ai vraiment tout vérifié pour que vous n'ayez pas de problème. Vous ne veniez pas me dire, oui, Edith nous a fait gagner des kits, mais ils sont pourris. Non, ils ne sont pas pourris. Tous les kits sont nickels. Donc, je vous montre sur l'envers, vous verrez. Voyez. Alors, voilà le premier kit à gagner. Donc, une kokeshi. Donc, c'est la kokeshi avec ses fleurs blanches, rouges. Donc, je vous remettrai les photos à la fin de la vidéo avec le... En marquant lot numéro 1, numéro 2, numéro 3. Comme ça, vous savez laquelle est à gagner. Hein. Voilà. Donc, elle a une protection transparente. Et je vais vous montrer, donc... Hop, on va enlever un petit peu la protection pour que je vous montre les impressions qui sont super. Et, pareil, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, j'espère que ça ne floute pas. Voilà. Ah bah oui, si je remets le plastique dessus, c'est pour ça que ça floute. N'importe quoi. Voilà. Hop, niveau colle, ça colle, comme je dis d'habitude. Donc voilà le premier kit. Donc, les couleurs. Vous avez... Alors, il y a combien de couleurs là, 3, je ne sais plus. 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30. Alors, celle-ci n'a pas de feuille de route. Hein. Ne venez pas me crier dessus. Il n'y a pas de feuille de route sur celle-là. Bon, je sais qu'il y en a qui disent, ah, je veux la feuille de route, mais là, il n'y en a pas. je vérifie, non, celle-là, il n'y a pas. Mais bon. Le principal, c'est d'avoir le kit et les perles, hein, les filles. Alors, celle-ci a 30 couleurs. Voilà. Alors, si vous voulez une feuille de route pour faire, je vous conseille, alors, vous, avec votre photocopieuse, votre imprimante, si vous en avez une,
vous photocopiez ça. Et à côté, vous mettez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, pour celles qui ont l'habitude de ranger leurs perles, comme moi je fais en mettant le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, comme ça, vous avez votre feuille de route. Vous mettez vos 1, 2, 3, 4, 5. Et comme ça, vous n'avez pas de soucis. Oui, voilà. Alors, attendez, je vais vous demander. Alors, ah ben si, mais je suis bête. Si elle a une feuille de route. N'importe quoi la fille. J'étais en train de réfléchir, je suis, mais si, j'ai pourtant fait des croix dessus. Alors, je reviens en arrière. Bip, 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 bip. Pourquoi j'ai dit que j'avais pas de feuille de route? Mais si. N'importe quoi. Pas réveillée, la Didite. Elle a une feuille de route. Pas s'inquiéter, hein. Alors, voilà la feuille de route. Donc, vous avez le dessin. Vous avez, du coup, le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous avez les symboles. Vous avez les références DMC. Vous avez les quantités de perles, pour celles qui adorent avoir les quantités de perles. Et vous avez en plus les nombres de sachets. Voilà. Ici. Et donc vous voyez que moi j'ai tout coché. Du coup, je vais cocher celle que j'attendais. Hop, voilà. C'est fait. Désolée les filles. Hein. Je suis en train de faire la vidéo. Il est 9h30 du matin. Je ne suis pas réveillée. Ah là là. Bon. Mais moi, c'est vrai que les feuilles de route, vous le savez, je m'en fous. Donc, alors, j'ai les boîtes, les voilà. Alors, celle-ci ne sera pas dans une boîte Kefan, parce que je n'ai eu que deux boîtes Kefan. Donc, je vais certainement la mettre, parce que pour l'emballage, pour l'emmener, l'envoyer, je vais voir si ça rentre dedans. Elle partira certainement, pour pas que ça s'abîme avec l'envoi, dans une boîte de kit de DP d'action. Donc, vous ne vous inquiéterez pas. Mais bon, ça, c'est pareil. Hein. Je pense que vous en fichez de la boîte. Le principal, c'est ce qu'il y aura dedans. Mais moi, j'ai reçu... j'ai tout reçu dans... tout était avec deux boîtes. Voilà. Donc, voilà. Avec les boîtes Kefan. Donc, les deux autres kits auront leur boîte Kefan. Mais celle-ci, puisque c'est le plus petit... j'ai une boîte, voilà, voyez, c'était celle du chat, donc je regarde, ouais, normal, ça rentre dedans, donc elle partira dans la boîte action, hein. C'est pas un problème pour vous, j'espère. Voilà, c'est juste pour que, au niveau, quand je l'enverrai, qu'elle s'abîme pas, voilà, parce que je veux pas l'envoyer comme ça, emballée dans, juste dans un sac poubelle ou quoi. Voilà, mais je préfère le dire tout de suite. Bon, je reviens à mes moutons. Donc, il y a une feuille de route. Il y a le kit. Et nous avons les perles. Alors, je ne vais pas toutes vous les montrer, bien sûr. Mais comme je vous ai dit, j'ai tout vérifié. Donc, tout est nickel. Elles sont... alors, bah, j'ai des petits paquets. Voilà. Elles sont en chapelet normalement, hein, voilà, voyez. Donc chaque couleur est en chapelet individuel, comme ceci. Et c'est des carrés. Voilà, donc vous avez la couleur inscrite dessus, sur chacun. Alors ces chapelets-là sont bien aussi parce que vous les coupez un par un, par exemple. Et si vous n'utilisez pas tout, ben, au lieu de remettre dans des sachets zippés, ben, vous avez déjà, c'est déjà emballé, vous les rangez comme ça. Donc quand vous avez des sachets comme ça, ben, non, ne déballez pas tout. Voilà. Comme ça, quand il vous reste des perles et que vous n'avez pas ouvert tous les sachets, ben, quand vous les remettrez dans votre stock, ça... Enfin, j'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. Donc voilà, je vais vous en montrer un autre. Voilà, il y a des sachets où il n'y a qu'un seul petit paquet.
c'est normal. Donc voilà. Bon, ça c'est la kokeshi. Donc désolé, j'ai dit qu'il n'y avait pas de feuille de route, mais ici il y a une feuille de route. Alors, je vais mettre sur le côté, je referai mes emballages après. Surtout pas que j'oublie la feuille de route. Ah là là. Et les deux petits sachets supplémentaires. Donc je vous rappelle, les petits sachets supplémentaires, c'est la bonne couleur. Hein. Donc ne vous inquiétez pas si c'est en sachet zippé. Donc ça, c'est le lot numéro 3. Quand vous faites le... Je vais vous expliquer comment participer au concours. Ne me dites pas, je participe pour le lot 3, le lot 2, le lot 1. Non, non, hein, ce sera le hasard. Alors, le lot numéro 2. Celui-là, vous le connaissez, parce que moi, je l'ai déjà fait. Donc, il est plus grand. Voilà. La feuille de route. Je vais en faire des cauchemars de cette feuille de route. Donc, ici, on a... Ah, mais tiens, j'ai pas vu s'il y avait... Ah, bah si, j'avais pas fait attention. Je disais, il y a le petit embout pour 10 perles, mais là, vous avez une perle, et à l'autre bout, vous avez l'embout pour mettre 5 perles. Voilà. Donc, ici, exactement le même kit. Hein. 10 perles, une perle, 5 perles, le plateau, la glu, la pince. Et, donc, ici, c'est un 40-50. Donc, il est déjà plus grand. Alors, je vous rappelle, j'ai dit déjà dans ma dernière vidéo, les tailles qu'on donne, c'est les tailles de la toile complète. Hein. C'est pas la taille du dessin. Donc, c'est ça, quand vous devez aller chercher un cadre, pensez bien à mesurer votre dessin. Ne vous basez pas sur la taille qui est inscrite sur vos toiles. Hein, parce que ça, c'est la taille de la toile complète. Donc, quand vous devez acheter un cadre, mesurez bien votre dessin avant d'aller acheter votre cadre. Voilà. Bon, je me répète souvent hein, dans les vidéos, mais bon, c'est parce que je ne veux pas... Pardon. Je veux pas que vous ayez que vous vous trouviez avec un cadre qui va pas ou quelque chose, voilà. Donc là, idem, hein, bon, c'est chiffonné parce que c'est à l'enroulage. Je vous rappelle le petit coup de fer hein, pour remettre bien à plat. Ici, vous avez, du coup, je vais regarder ma feuille de route. Ici, vous avez 30 couleurs. C'est des perles carrées. Voilà, les trois kits, là, pour cette fois-ci, ce sont que des perles carrées. Hein. Donc, les adeptes de perles rondes, qui n'aiment que les perles rondes, je suis vraiment désolée, mais là, cette fois-ci, ce n'est que des perles carrées. Et celui-ci, vous le connaissez, puisque je vous ai dit, je l'ai fait. Et beaucoup l'ont aimé. C'est la femme et le tigre. Voilà, le visage coupé en deux, moitié tigre, moitié femme. Voilà, il est super beau celui-là. Une fois fini, il est vraiment très très beau. Donc, voilà. Alors, idem, j'ai tout vérifié. Il y a toutes mes petites croix. Donc, celui-là, il n'y avait pas de souci au niveau des perles. Pas de manquant, pas de problème de perles, la version de référence. Alors, pareil, je vais vous montrer juste un ou deux sachets. Comme vous savez que je les ai, que j'ai tout vérifié, il n'y a aucun problème. Donc, c'est des petits chapelets comme ça aussi. Voilà. Voilà. Donc, ce sont que des perles carrées. Il n'y a pas de déchets, il n'y a pas de poussière dans les sachets.
donc sont nickel. Et là, voilà donc le paquet de perles que vous avez. Alors, il y a beaucoup de noir, hein, les filles. Au niveau du noir, vous allez être contentes. C'est la couleur dominante du noir. Il y a 44 sachets. Voilà. C'est la couleur dominante du kit. Hein. Mais bon, j'ai pu le faire. Si moi j'ai pu le faire, vous pourrez le faire. Alors, je vous le remontre. Donc, celui-là, c'est le lot numéro 2. Et c'est un 40-50. Voilà. J'adore celui-là. Donc, avec les perles, le petit kit et la feuille de route. Donc, je vais juste l'emballer comme ça. Hop. Voilà. Je referai mes emballages hors vidéo. Ce sera beaucoup mieux. Et le dernier, la perle. Alors, celui-là, je l'adore. J'adore les trois, hein, bien sûr. Mais celui-là, est vraiment, je trouve vraiment magnifique. C'est le plus grand. Donc, celui-ci aura un petit sachet zippé. Voilà. Donc, c'était un sachet manquant. Voilà. Donc, alors, vous verrez que sachet manquant, mais ils ont remis beaucoup plus de perles qu'il ne faut. Hein. Donc, il n'y a aucun problème. Donc, ici, la taille, j'ai la feuille de route. Ah, je vous le dis, je vais en faire des cauchemars, des feuilles de route. Ici, la taille, c'est un 50-70. Donc, c'est un très grand, enfin, c'est un grand. Voilà, parce que maintenant, il y a des beaucoup plus grands. Il a, je fais durer le suspense, il a 30 couleurs aussi. Voilà. Et dans ce sachet de perles, alors j'ai tout noté et vous pourrez voir qu'il y a deux couleurs où il y a un sachet supplémentaire dans chaque couleur. Voilà, bon, je les ai laissés. Alors, le petit kit qui va bien, hein, bon, je ne me répète pas, c'est toujours la même chose. Et là, au niveau des perles, voilà, vous avez de quoi faire. Il y a deux paquets de perles. Hein. En plus, le petit sachet. Donc, pareil, nickel chrome derrière. Hein. Je crois que je ne vous ai pas montré l'impression sur l'autre, mais bon, c'est toujours pareil. Hein. Niveau d'impression, il n'y a pas de problème. Et là, alors, comme il est plus grand, je vais essayer de bien me mettre pour vous le montrer. Le voilà. Alors, une japonaise samouraï. Alors, j'espère que vous voyez bien. J'essaye de me mettre au mieux pour que vous voyez bien. Là, le bas. Et le haut. Voilà. Je le trouve magnifique, celui-là. Alors, j'espère que vous le trouvez beau aussi. Il a de superbes couleurs. Donc, toujours la protection transparente, hein, ça c'est toujours la même chose. Alors, je crois qu'ils ont tous. Oui, ils ont tous le petit symbole de chez Kefan hein, dessus. Je vous montre l'impression.
Ouais. Alors, on va essayer que ça floute pas. Ah, ça floute. Non, oui. Voilà. Niveau colle, ça colle. Voilà, pas de rivière comme d'habitude. On va le mettre. Hop, je vais juste l'enrouler comme ça. Et donc, je vous rappelle, celui-là, c'est la 50-70. Et vous avez tout ça en perles. Hein. Donc, il y a du taf hein, dessus. Donc, c'est tous des complets, hein, bien sûr. Ça, je mets, bon, vous l'avez vu, j'ai pas précisé. Mais... Donc, pareil, j'ai tout vérifié, hein, les perles, un par un. Donc, vous n'avez pas à vous en soucier. Donc, je vais vous montrer un ou deux sachets. Je vais prendre des petits sachets, là. Alors, la couleur dominante, ici, ça va être... c'est un rose. Ouais, c'est un rose où il y a 45 sachets. Alors, voilà, c'est des petites perles carrées. Voilà, comme les autres. Donc, pas de poussière, rien, elles sont nickel. Bon, là, c'est des sachets. C'est pas parce qu'ils sont détachés, hein. Là, c'est parce qu'il y a un seul sachet pour cette couleur-là. Vous voyez. Et la dominante, je crois que c'est celle-là. Ou c'est celle dans votre paquet. Enfin, je ne sais pas. Je ne sais plus. 220. Oui, non. La dominante, c'est celle-ci. Oui. Voilà. La couleur dominante. Voilà. Donc, celle-là, il y a 45 sachets. J'ai défait. Voilà. Donc il y a du rose, il y a beaucoup de rose, enfin plusieurs nuances de rose. Voilà. Plusieurs nuances de rose, il y a du rouge, il y a alors, du noir. Oui, il y a du noir, ah, puisqu'il y a les cheveux qui sont noirs. Hein. Donc il y a. En noir, il y a 14 sachets. Voilà. Et après, il y a du marron, du violet. Du... Voilà. Les couleurs sont magnifiques. J'essaie de vous montrer un peu comme ça. Oui, il y a beaucoup de rose, plusieurs tons de rose. Voilà. Donc voilà les trois kits qui sont à gagner. Donc je vous rappelle, la première c'est la japonaise, celle que je viens de vous montrer, qui est un kit qui fait 50/70. Le deuxième c'est la femme tigre, voilà, qui est un kit qui fait 40/50. Et le troisième et dernier c'est la kokeshi qui fait 30/45. Voilà, donc c'est trois jolis kits. Enfin, moi je trouve que c'est trois jolis kits. Hein. J'espère que vous aussi vous allez trouver que c'est des beaux kits qui vont vous plaire. Donc ce sont tous les trois des kits en perles carrées. Je me répète, mais bon, désolé pour celles qui n'aiment que le rond. Mais bon, peut-être que si vous n'aimez que le rond, c'est peut-être aussi l'occasion d'essayer du carré. Regardez-moi, je ne faisais que du carré, je lisais le rond, j'aime pas, et puis en fin de compte, maintenant j'aime bien le rond, donc j'aime les deux maintenant. Donc pourquoi pas quand même participer au concours et puis vous essayer au carré, si vous gagnez l'un des kits, bien sûr. Donc, alors les conditions pour participer au concours sont toujours les mêmes. Vous allez laisser un commentaire sous la vidéo. Donc, un petit commentaire, hein, ce que vous voulez. Avec le mot... Alors, si ce n'est pas marqué dedans, par contre, je ne vais pas valider parce que des fois, il y en a qui ne marquent pas et du coup, je ne sais pas si elles participent. Surtout, marquez bien dans votre commentaire... Hop, dans votre commentaire, je participe. Hein.
Mais bon, mettez quand même un petit commentaire en plus, hein. Mettez pas seulement je participe, hein. Soyez gentil, mettez-moi un petit com. Et moi, je vous répondrai à la suite en vous donnant, comme d'habitude, un numéro de participation. Voilà. Donc, on est le 1er septembre. Le concours est en ligne donc jusqu'au 15 septembre. Voilà. Et je ferai, vous pouvez participer donc jusqu'au 15 septembre. Je laisse 15 jours parce que bon, ben, il y a encore des personnes qui vont rentrer de vacances. Il y a la rentrée des classes. Il y a beaucoup, c'est la remise en route, tout ça. Donc, bon, beaucoup d'entre vous n'ont peut-être pas encore le temps de regarder les vidéos. Bon, c'est beau, le début septembre, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire. Donc, je vais laisser 15 jours pour participer au concours. Et donc le 16 septembre, le jour de la Sainte-Édith, donc le jour de ma fête, voilà, le jour de ma fête, le 16 septembre, je ferai le tirage au sort, voilà, je ferai le tirage au sort et je donnerai le nom des trois gagnantes ou gagnants du concours. Et bon, ce jour-là, j'expliquerai comment faire pour obtenir son lot. Hein. Mais bon, ça, vous savez, il faudra m'envoyer son adresse par email ou en message privé sur Facebook. Mais bon, ça, je redirai à ce moment-là. Voilà. Et donc, vous aurez 7 jours. Mais tout ça, je réexpliquerai au moment du tirage au sort. Donc, on est le premier. Vous avez jusqu'au 15 septembre, minuit. Pour participer au concours et le 16 septembre, donc je répète, le jour de ma fête, je ferai le tirage au sort et on connaîtra le nom des trois gagnantes. Donc je remercie encore énormément la boutique Kefan qui a voulu participer en donnant 3 lots pour ce concours de la rentrée. Encore un énorme merci à la boutique Kefan. Et puis ben voilà. Alors, j'ai une feuille de route à côté de moi. Alors, je vais ranger maintenant tous ces kits, préparer les emballages. Comme ça, ils seront prêts pour quand il faudra les envoyer. Là, juste à la fin de mon blabla, je vais vous remettre, mais là, en photo. Les kits avec le numéro du lot, hein, lot numéro 1, 2 et 3. Comme ça, vous pouvez les revoir en photo. C'est beau, c'est beaucoup mieux. Puis là, en photo, vous les voyez finis. Et n'oubliez pas, du coup, de participer nombreux. N'hésitez pas à partager cette vidéo aussi pour qui. Et maintenant, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous fais à tous de gros bisous. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous. Soyez nombreux à participer.